Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du PGI de BP 4.0. Nous allons aborder la création d'un devis client. Pour ce faire, nous avons trois possibilités d'accès à ce menu, soit dans l'espace navigation vente, cliquez sur devis, soit dans la barre de menu, cliquez sur vente, document de vente, devis, ou alors dans l'écran de démarrage, en dessous l'icône client, cliquez sur l'icône document de vente. Le logiciel me propose différents documents de vente qui vont du devis à la facture d'avoir. Moi, je vais ici ajouter un devis. Alors, la fenêtre principale s'ouvre et là, premier élément à faire, c'est d'indiquer la date du devis. Dans notre exercice, nous sommes au 13/02/2012. Je tabule, ce qui me permet de mettre à jour la date de validité du devis. Il sera valable jusqu'au 13 mars. Si nous avions un délai plus long, il suffirait de changer cette date. Deuxième élément, c'est d'indiquer le client qui veut le devis. Donc ici, c'est la PCE 89. L'ordinateur donc indique les différentes informations concernant ce client, en particulier le mode de règlement. Il ne me reste plus, moi, tout simplement, à indiquer les articles que le client désire voir figurer sur ce devis. Bon, sur ce devis, le client voulait 7 articles. Bon, pour ma démonstration, je ne vais en indiquer que 2. Alors, saisir le premier code article. C'est du café Zultaka. Le client, dans son mail de demande, n'a pas indiqué de référence. Donc, je vais simplement indiquer le début du nom, Zul, et l'ordinateur lui sélectionne le bon élément. Donc, je clique deux fois dessus. Voilà. Il me reste à mettre la quantité que désire le client, c'est-à-dire 12 paquets. Et je passe au deuxième article. Et là, je vais prendre l'exemple du riz Home Mali. Alors, ce riz, je n'ai pas la référence. Donc, en tapant le mot riz, il me met tout ce qui commence, tout ce qui a une information riz dans son libellé. Et je vais prendre le riz Home Mali blanc. Donc, celui-là. Quantité, là aussi, le client en veut 12. Alors, sur ce produit, Rio Bio au Mali, nous avons accordé une remise de 5%. Donc, regardez ici, il suffit de cliquer dans la colonne remise unitaire et d'indiquer 5% de remise. Et on voit que le nouveau montant a été modifié. Si nous avions d'autres produits, on les ajouterait à la suite. Maintenant, en bas, le pied du devis, on va vérifier que la remise existe bien. C'est un client qui avait une remise de 5%. Elle apparaît bien. Si vous avez à indiquer des frais de transport, vous indiquerez ici les frais de transport. Même chose pour l'escompte. Et si nous voulons un récapitulatif du pied du devis, il suffit d'aller cliquer dans récapitulatif et on voit apparaître les différents éléments. La remise globale. Les frais de port ici, nous n'en avons pas, ce sera peut-être à vous d'en mettre par rapport à l'exercice. Et puis les différents taux de TVA, bon, pour le moment, nous n'avons qu'un taux de TVA. Alors, je reviens dans le détail. J'en ai terminé avec la création de ce devis, donc il me reste simplement à l'enregistrer et je vais fermer cette boîte de dialogue, on va dire. Voilà, donc nous revenons à la liste des documents de vente. Alors, deuxième travail que nous allons devoir faire, c'est d'imprimer ce devis. Deux possibilités. La plus rapide, je clique dans devis. Donc il va me le réouvrir. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il met à jour certains éléments. Voilà. Et vous voyez qu'ici apparaît l'onglet aperçu. Toujours commencer par un aperçu avant d'imprimer, ça permet de vérifier certaines choses. Donc j'ai sélectionné aperçu et il m'ouvre la boîte de dialogue d'aperçu. Je vois bien que c'est la SARL Lyon Équitable, j'ai son logo. Si on vérifie, on a bien un paiement par chèque, les deux produits et le montant des acomptes. Alors, ce devis ne me convient pas tout à fait, je voudrais qu'apparaissent les remises, donc je vais aller sélectionner dans modèle, devis hors taxe avec remise.
Alors, il va me proposer un devis un petit peu modifié au niveau de la présentation. Alors, il recalcule tout. Voilà. Et donc, vous avez vu que le logo est passé à droite. Mais l'intérêt de ce devis ici, c'est que l'on voit bien apparaître le pourcentage de remise par ligne, mais aussi le pourcentage total de remise accordé à ce client, et nous aurions même le transport, les acomptes, etc. Donc, il ne me restera plus qu'à lancer l'impression. Je voudrais revenir sur ces deux petits onglets ici, l'onglet exporter. Par exemple, hein, en cliquant, vous voyez ici, on pourrait exporter ce devis en format Excel, en format Word, voire en format PDF. L'intérêt du PDF, c'est qu'il est moins lourd et surtout qu'il peut être utilisable par tous les logiciels de gestion électronique de documents, tous les logiciels de GED. À côté, hein, c'est la même chose, hein, on pourrait le transformer en PDF et l'envoyer sur la boîte mail de notre client. Donc là, je vais simplement fermer. Je reviens, je ferme aussi ici. Je reviens à la deuxième possibilité d'imprimer un devis. Là, il suffit d'aller dans l'onglet Vente, Impression, Documents de vente, Devis. Alors, vous allez voir qu'ici, bon, ce serait exactement le même travail que ce que l'on vient de voir. L'intérêt de cette fenêtre, c'est que l'on peut ici imprimer des devis par période, c'est-à-dire les devis, mettons, à réaliser sur la semaine, par numéro, par client. Donc là, on a un choix beaucoup plus vaste que en ouvrant le devis. Je ferme, je reviens à l'écran de démarrage et j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.